Bon, merci d'être là. Le thème de ce soir, de la petite causerie, c'est le conditionnement. Alors, pourquoi le conditionnement? Pourquoi j'ai choisi ça? D'abord parce que c'est mon quotidien. Et tous les jours, y compris moi, je rencontre, on va appeler ça comme ça, des rencontres, des gens qui ont une vision de leur conditionnement, parfois réaliste, ou parfois absolument pas réaliste, et qui ne perçoivent pas en effet le système du conditionnement. Le conditionnement, sur un point de vue, je dirais, psychologique, c'est une réalité que nous allons aborder comme étant un fait, et sans se poser la question de savoir la provenance, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sceptique, on va l'accepter, l'accueillir comme c'est. Le conditionnement est quelque chose qui est tout à fait agréable tant qu'il ne nous cause pas de souffrance. Par exemple, je suis marié, j'ai une belle voiture, je suis avec une belle femme, et si je suis hétéro, si je suis un garçon, blablabla, etc. Tout va bien, j'ai un attachement et tout va bien. Et puis un jour, ben les choses se passent un peu moins bien, et bizarrement là, je commence à avoir donc une sacrée souffrance, une sacrée douleur. Et je me rends compte finalement que j'éprouve du manque, que j'éprouve de la peine, parce que quelque chose s'est passé, et bien ça y est, je viens de rencontrer mon système de conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de me heurter à quelque chose que je croyais complètement naturel, et qui pourtant me crée de la douleur. Alors on va le rencontrer à plusieurs étapes de notre vie. Le conditionnement n'est pas quelque chose de volontaire, n'est pas quelque chose qui va venir être négatif au départ. Il n'y a pas une volonté de conditionner, il y a un système. Regardez par exemple entre le système éducatif et le système scolaire, bien, il va y avoir donc une lignée qui va se mettre en place. Si par exemple nous avons, et c'est normal, une obéissance entre guillemets vis-à-vis de nos parents, que va-t-il se passer? Bien, une obéissance pourrait nous faire plus tard dans une vie active un peu disparaître. Si nous avons par exemple la volonté de bien travailler à l'école, puisque c'est un peu le but, c'est ce qu'on nous dit, hein, on nous explique qu'une note c'est bien comme une récompense ou finalement ce n'est pas bien comme une erreur, une faute qu'on aurait commise et non pas une évaluation, eh bien en fait on va vouloir travailler bien et on va penser être récompensé. Et puis dans cette vie-là, c'est-à-dire cette vie qu'on va appeler la vie active, eh bien si on obéit trop, on disparaît et puis on peut travailler beaucoup, bien et ne jamais être récompensé. Et là, y a une souffrance qui va arriver. Donc, il y a une condition et un conditionnement qui vont arriver très tôt, c'est qu'en fait, on va vouloir appartenir à un système. Nous sommes des êtres humains, et les êtres humains que nous sommes ont un besoin inné au départ d'appartenir à des systèmes. On va bien différencier deux parties, l'individu et l'être humain. L'individu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'individu, en fin de compte, il est la somme de tous les conditionnements. Il est celui qui va traverser le conditionnement de sa naissance jusqu'à sa mort, la plupart du temps sans trop s'en apercevoir, sauf lorsqu'il rencontre la souffrance, l'expérience de la souffrance, et là, l'expérience de la souffrance, en fait, va le réveiller un peu, c'est-à-dire qu'il va chercher justement à se révéler à quelque chose. Cette expérience de la souffrance, il va le faire avec la rupture, avec le rejet, et puis également avec l'abandon, le deuil, etc. Et puis, l'individu qui va ressentir tout ça, eh bien, il va essayer de compenser. La notion d'être humain, elle va être beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. L'être humain, c'est un petit peu celui qui relie, en fin de compte, tous les systèmes des individus. Être humain, on entend bien le mot « être » dedans, c'est celui qui va... c'est comme si on avait une image, par exemple, imaginons 6,5 milliards de personnes qui composeraient un seul être humain. Donc l'être humain, c'est celui qui va comporter l'ensemble de tout ça. L'individu, c'est celui qui va vivre ses propres systèmes au quotidien. Il est évident que de conditionnement en conditionnement, il va y avoir une souffrance. Et une des façons de pouvoir régler cette souffrance, c'est de passer de l'individu à l'être humain. Et c'est là que toute la difficulté va arriver. Parce qu'il va nous falloir être aussi en rupture avec le système environnant. Et le système environnement est si bien fait que lorsque nous sommes en rupture, eh bien nous avons l'impression d'être exclus. Et alors même si on réfléchit toute notre vie à ne pas être pareil, on va avoir un sentiment de perte lorsque nous ne sommes pas inclus dans un système. C'est presque de la physique, on va dire. On veut être
en périphérie de quelque chose, et puis il y a une partie en nous qui veut tout le temps être au centre de quelque chose. Alors, tous ces mécanismes-là, ben moi je vais les rencontrer quasiment tous les jours, sous une forme ou une autre, sous une forme addictive, sous une forme dépressive, sous une forme d'agression, de sentiment d'agressivité ou de non-inclusion ou de perte de capacité dans la vie des personnes qui vont me rencontrer. Et ce conditionnement, il est extrêmement important parce qu'il est subtil, je dirais, et assez sournois. Regardez cette histoire, par exemple, d'éducation au départ. Encore une fois, personne n'éduque mal ses enfants, ce n'est pas le thème. Mais l'idée de dire, par exemple, à un enfant qu'il n'est pas gentil quand il ne fait pas quelque chose, automatiquement, l'enfant va avoir une sensation, c'est que comment va-t-il faire après pour pouvoir s'affirmer ? Ça va être assez complexe. Parce que quand il va devenir adulte et que l'affirmation du soi, c'est la capacité justement à pouvoir dire non, donc à déplaire, ben là il y a un problème qui va se passer. Il va y avoir donc une transition qui va mal se faire. Et là, un conditionnement va arriver, c'est-à-dire que oui, il va redevenir le méchant petit garçon ou elle va redevenir la méchante petite fille. Donc comment va-t-elle faire pour pouvoir, ou comment va-t-il faire pour pouvoir s'affirmer et accepter de déplaire ? Accepter de déplaire, c'est déjà se donner la permission d'accepter la réaction de l'autre. Et là, on va arriver donc dans l'intervention de l'autre, l'autre individu, qui n'est pas encore le fameux être humain. Ce qui nous paraît le plus difficile, j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs avec au moins deux personnes, c'est la notion donc de la rencontre avec l'autre dans le conditionnement. Comment puis-je m'affirmer si toutefois je respecte l'autre dans sa grande diversité ? Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes conscients du conditionnement, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la partie consciente du conditionnement s'appelle l'inconscient. Alors là, c'est compliqué. Et oui, en fait, vous savez, combien d'entre nous nous disons « mais je sais très bien ce qui se passe, mais en fait, j'arrive pas à le changer ». La partie de l'iceberg caché, ces fameux 90% minimum qui structurent la partie du cerveau, donc l'inconscient, elle va stocker toutes ces informations de conditionnement et puis elle va nous les réserver régulièrement. Et quand elle nous les réserve, ben, elle n'arrive pas à grand cri en fait. Elle nous les réserve de façon très subtile. Par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de s'affirmer soi-même. C'est une grande constante chez nombre d'entre nous, la difficulté de s'affirmer parce qu'en fait, on a donc une peur de déplaire, pour reprendre un petit peu le fil de tout à l'heure. Le conditionnement qui va être derrière ça, c'est donc le conditionnement de l'enfant qui va dire « mais si toutefois tu déplais, tu n'es plus aimé ». On va aller un peu plus loin encore. Il est évident que s'affirmer, déplaire, accepter de déplaire, c'est se donner la possibilité de, entre guillemets, ne pas être aimé. Et s'il y a bien quelque chose que l'individu recherche toute sa vie, c'est d'être aimé, sous une forme ou une autre. Donc, le conditionnement de départ, ça va être ça. On va codifier la relation avec les autres, on va codifier la relation avec l'école, on va codifier la relation avec le travail, et une grande partie de notre vie, on va se regarder, s'observer dans le rapport que nous avons avec ces systèmes de code. Et puis, on va donc faire des constats. Encore une fois, on va s'observer dans le fonctionnement, c'est-à-dire que on va rentrer petit à petit, de façon très subtile, dans le système du conditionnement. Si par exemple le travail est organisé d'une certaine façon dans une entreprise, eh bien on va arriver par exemple à observer la façon dont c'est inscrit et puis on va tout petit à petit comme ça à rentrer dans le système. Dans une grande société internationale autour de Toulouse, un jour il y avait un monsieur qui me dit mais moi, j'ai la possibilité d'aller là-haut, comme il me disait, donc dans les sphères importantes. Je ne veux pas y aller parce que là-haut, dans les sphères importantes, en fait, qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, c'est le jeu des chaises musicales. On va trahir pour 100 euros, pour avoir un statut, etc. Et moi, comme je ne suis pas comme ça, eh bien, je ne veux pas y aller alors que j'en ai les capacités. Et ce qui est surprenant, c'est que, en fait, à la question, mais justement, puisque vous n'êtes pas comme ça, et si toutefois vous y alliez ? Et si toutefois, en y allant, vous ameniez autre chose que ce qui est toujours là ? Vous voyez la différence ? C'est qu'en fait, pourquoi les systèmes semblent inamovibles ? Pourquoi ils semblent être comme des rocs partout ?
Ben, c'est que chaque personne s'identifiant à une autre, si elle estime qu'elle n'est pas pareille, ben, elle ne va pas dans un endroit. Alors que vous voyez, dans cet exemple-là, la personne qui avait visiblement donc une vision peut-être plus humaine d'un système, elle aurait très, très bien pu emmener ça dans l'autre partie. Elle ne l'a pas fait, parce qu'elle a estimé qu'en fait, ce n'était pas sa place. Donc, un nouveau conditionnement. En fait, on a envie de faire quelque chose, donc c'est la partie consciente, et puis la partie inconsciente dit « Mais non, ça va être encore plus compliqué pour toi parce que tu ne leur ressembles pas. Voilà. » Donc, échec, entre guillemets, de la notion du changement. Échec de notre capacité à faire bouger les lignes. Voilà. Par exemple, je ferais bien de la politique, oui, mais trois petits points. Donc, je n'en fais pas. Voilà. Je ferais bien ceci, oui, mais trois petits points. Le conditionnement, il est là, il est très paradoxal, il est complexe, parce qu'en même temps, il nous emmène à emmener une volonté du changement, et en même temps, il nous laisse dans la posture qui existe déjà. Donc ça va être une grande difficulté relationnelle, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance autour de ces systèmes de conditionnement, parce qu'on veut lutter contre eux, mais en même temps, on est toujours en train de leur obéir. Le système de conditionnement, il porte un nom dans les systèmes de psychologie liés notamment à nos systèmes parentaux. Il s'appelle donc le syndrome de loyauté, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de loyauté? Ben, c'est quelque chose qu'on connaît bien au quotidien. C'est-à-dire, on rencontre un couple, par exemple, et puis à un moment donné, il y en a un ou une qui dit, ou un qui dit, c'est marrant, tu me fais penser à ta mère, tu me fais penser à ton père, etc., etc. Et puis en fait, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose contre lequel on a voulu lutter. Alors non pas que notre père ou notre mère n'est pas bien, mais que cette partie-là, on n'en veut pas, en fait. Et bizarrement, eh bien on l'a fait vivre. On l'a fait vivre parce que c'est un syndrome de loyauté. On a besoin de conserver inconsciemment un facteur de lien avec l'autre. Donc en même temps, on voudra s'éloigner du conditionnement, mais quelque chose va nous faire en sorte que nous allons rester dans ce conditionnement. Pour une raison qu'on découvre il y a une quarantaine d'années par le biais d'un sociologue qu'on connaît surtout parce qu'il a fait quelque chose qui s'appelle une pyramide, le fameux Maslow, la pyramide de Maslow, qu'on a tous plus ou moins vu quelque part, ou qu'on a appris, ou peu importe, si on l'a oublié d'ailleurs. C'est une pyramide qui parle de besoins au départ. Et cette pyramide qui parle de besoins, en fait, elle dit qu'au départ, pour accéder à une tranche supérieure, il faut avoir comblé, entre guillemets, une tranche inférieure. En clair, lorsque je veux atteindre une spiritualité, dans le monde occidental, je précise bien, moi qui étais en Inde et au Népal il n'y a pas très longtemps, ça n'est pas vrai, dans ce pays-là, mais dans un monde occidental, eh bien, lorsqu'on veut atteindre par exemple la spiritualité, il faudrait déjà avoir réglé la notion de base de départ, la première marche, c'est-à-dire les besoins essentiels, deuxièmement, avoir un toit, troisièmement, pouvoir avoir un niveau d'être rassuré de quelque chose, etc., etc., etc. Cette pyramide, alors elle est intéressante parce que quand, par exemple, on fait des formations de thérapeute, eh bien, c'est vrai que le futur thérapeute va essayer d'observer si toutefois le désir de la personne qui va venir n'est pas en réaction, je dirais, dangereuse par rapport aux différentes strates. Cette pyramide va nous servir à cela. En clair, une personne qui n'aurait, par exemple, en Occident, pas d'endroit où dormir et qui serait en danger et qui voudrait absolument atteindre des niveaux de spiritualité, nous pourrions le mettre encore plus en danger. D'accord ? Hein, c'est pas un choix de ne pas réaliser parce que nous avons un jugement, c'est juste une façon de consolider quelque chose. Donc, ce Maslow, en fin de compte, ben, il nous explique tout ça. Il nous explique qu'en fait, il y a des critères de loyauté qui existent et que ces critères de loyauté, on va continuer de les faire vivre à travers nos expériences amoureuses, relationnelles et nos expériences donc de travail. C'est une des conditions, en effet, du conditionnement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va aller choisir, par exemple, un parent plus qu'un autre et essayer de lui ressembler? Généralement, c'est, l'invité mystère. C'est-à-dire celui avec lequel on a peut-être une relation, entre guillemets, la plus tendue. Voilà. Et en psychanalyse, on dit qu'on introjecte. C'est-à-dire vraiment, on va avaler la personne et on va la devenir. Hein, c'est celle qui aurait pu nous manquer, c'est celle qu'on aurait le plus admirée, mais qui ne nous aurait pas renvoyé quelque chose, pour nous en tout cas, qui nous satisfait. Et bien cette introjection, on va la devenir. Et donc, on va créer un système de loyauté autour de tout ça. Donc, les conditionnements au départ, on va les connaître intuitivement, on va les connaître aussi inconsciemment. Mais pourtant,
on ne va pas forcément lutter contre eux. Parce qu'au départ, ils ne sont pas dérangeants. Au départ, ils ne sont pas dérangeants. Et un jour, ils vont le devenir. Ils vont devenir dérangeants parce que, justement, on ne va plus pouvoir faire quelque chose à cause de ça. Et à cet instant-là, on va faire une grande remise en question de soi-même. Encore une fois, on ne va pas remettre en cause ni les systèmes, ni les gens satellites et qui sont périphériques au système. C'est toujours vers nous qu'on va revenir cela. Et en se posant cette question permanente du « qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en moi ?» on va redevenir donc le petit enfant de départ, c'est-à-dire celui qui a commencé à recevoir le conditionnement. Et à partir du moment où on va redevenir le petit enfant de départ, les sphères émotionnelles vont venir, toutes les strates vont venir nous envahir. Et là, on va faire de l'autre le conjoint, le patron, l'ami, etc., le relationnel, la relationnelle, eh bien on va en faire un parent. C'est-à-dire qu'on va l'ériger en tant que juge, entre guillemets, hein, tout ça sont des symboles bien sûr, de notre propre vie. Et on va continuer de remplir les tables de la loi de notre propre existence. Et nous, en tant qu'enfants, évidemment, on va ressentir cette souffrance et nos propres douleurs qui vont venir sur ce marché-là. De quel marché on va parler ? Des fameuses blessures que nous connaissons tous, hein, celles de l'abandon, celles du rejet, etc. Donc dans le conditionnement, il va y avoir la peur de retrouver nos blessures de départ. On va aimer, entre guillemets, le conditionnement, parce que le conditionnement, non seulement il va nous être familier, il va nous faire du bien, entre guillemets, c'est ce qu'on va croire au départ, hein, parce qu'il va nous faire identifier comme étant la même personne dans un groupe qui va nous adorer, quoi, qui va nous faire rentrer dedans. Quand je vais voir par exemple des cinquièmes et qu'on parle du tabac, voilà, on parle du tabac avec des cinquièmes, bon, etc., etc., ils racontent pourquoi ils pourraient se mettre à fumer, très bien. Puis après, on les retrouve quand ils sont en seconde. Et ils expliquent pourquoi ils pourraient se mettre à fumer. Mais il y a une réponse qui vient. En fait, ils ont envie de se mettre à fumer parce qu'ils ont le sentiment que fumer, c'est un acte un petit peu de rébellion. Voilà. C'est un acte différentiel. Ils ont envie d'être différents. Et puis soudain, dans la conversation, ils s'aperçoivent en fait que, à force que tout le monde fasse la même chose, on n'est pas différent. C'est-à-dire que l'adolescent qui veut être un rebelle en se mettant à fumer comme tous les copains, il n'est pas différent ni rebelle puisqu'il fait la même chose que tout le monde. Voilà ce que c'est que le conditionnement. Un conditionnement, c'est le sentiment de devoir appartenir sans réfléchir, c'est-à-dire sans avoir de réaction, penser à un système. Et il y en a donc tous les jours. Par exemple, il y a la cigarette, il y a des systèmes de comportement, il y a des relations qu'on va avoir avec les autres, il y a des comportements qu'on va avoir avec les amis, il y a ce qu'il faut faire. Hein. Notre vie est remplie de « il faut » et de « tu dois ». Et ces « il faut » et les « tu dois » donc du conditionnement vont amener en nous quelque chose de particulier. C'est non pas une remise en cause forcément de qui nous sommes, mais une remise en cause de l'estime que nous avons de nous-mêmes. À force d'avoir des « tu dois », à force d'avoir des « il faut » en généré par ma propre personne, je vais douter de moi de plus en plus, parce que visiblement je ne correspond pas. Et puis là, il y a personnellement, donc j'ai 16 ans, il y a une rencontre extraordinaire avec un penseur indien du 20e siècle qui écrit cette phrase qui bouleverse ma vie. Il écrit « Est-ce que véritablement s'adapter à un monde malade est un signe de bonne santé ?» Alors là, grande découverte pour moi. Est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est pas moi qui suis malade, mais que peut-être un certain monde, sans le définir, serait peut-être la suite d'un conditionnement qui finalement ce serait peut-être lui qui serait entre guillemets malade. Et si moi je m'adapte à un monde malade, est-ce que vraiment je vais aller mieux quelque part ? Ça a été pendant longtemps le fait de vouloir à tout prix s'adapter dans le système, en effet un signe de bonne santé d'une société qui évitait, la résonance à l'intérieur. Mais c'est aussi le signe de bonne santé d'une famille. Sortir du lot. Vous savez, quand au début on a des enfants, on a envie de leur dire le plus important, mon chéri, ma chérie, c'est l'amour. Ça, c'est le plus important. Et puis on va quand même dire, mais t'as bien fait tes devoirs. Oui, bien sûr. Mais ça se passe bien à l'école quand même. Oui, bien sûr. Alors vous me direz, mais ce n'est pas indissociable. Non, ce n'est pas indissociable. Mais le nombre de temps que nous allons passer à parler des devoirs, les faire, et c'est normal, avec, discuter de l'école, etc., va d'un seul coup devenir beaucoup plus important que l'idée même de la liberté, de la conscience de soi et de l'amour qu'on doit porter en soi et envers les autres. Mais pourtant, dans la tête du parent, ça sera présent. Il y aura quelque chose qui va demeurer là. En revanche, dans la traduction,
eh bien, ça sera beaucoup moins présent. Il est évident que lorsque, par exemple, nous avons 14 ou 15 ans et que nous devons impérativement délivrer le fameux message de « que vais-je devenir ?», hein, en fait, la vraie question, c'est que les enfants, les ados pourraient poser à leurs parents, c'est « qu'est-ce que tu attends de moi ?» Qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? Alors, l'adolescent va dire « je sais pas », il va aller voir un conseiller d'orientation, et puis le conseiller d'orientation va regarder les notes. « Ah ben, tu as l'air bon en maths, petite question sur un système de logique, tu pourrais être ingénieur, par exemple. » « Ok, ouf, check, c'est fait. » Et c'est parti. Voilà. Alors, évidemment, dit comme ça, on pourrait dire « oui, mais il faut bien que quelque chose se passe. » C'est vrai. Mais en même temps, ben, les systèmes de conditionnement vont perdurer à chaque fois. C'est-à-dire que la connaissance de soi, l'idée même de mieux se connaître, c'est quelque chose que, bien évidemment, en tant que parent, ou en tant qu'ami, ou en tant que ce que vous voulez, amour ou ce que vous voulez, on a dans la tête, mais dont on parle très très peu. En fait, ça reste quelque chose d'un petit peu planqué. Ou alors ça va arriver dans les disputes, dans la rencontre avec la souffrance et dans le conflit. Là, on va essayer de sortir des phrases comme ça pour essayer de parler à l'ado ou à l'ami ou à l'amour, à ce que vous voulez, etc. Donc, ça n'est pas inclus dans le système. On a une vision du rapport au monde qui est liée à un système donc, de jugement, mais pas forcément un système, donc, je dirais, de pensée. Et d'ailleurs, la pensée, quand on l'analyse bien, la pensée habituelle, c'est quelque chose qui appartient au passé. On pourrait presque faire un jeu de mots entre la pensée et le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons par exemple que vous dites « je vais changer de boulot ». Je vais changer de boulot. Je vais avoir un entretien. Je vais avoir un entretien. Et puis là, votre pensée va aller chercher les derniers entretiens que vous avez pu avoir dans votre vie. Donc votre pensée va aller chercher dans le passé la façon dont les choses se sont passées pour vous. Et puis, les émotions que vous allez avoir. La pensée va prendre cela, et puis la pensée va les envoyer dans le futur avec une hypothèse qui est donc une peur de ne pas réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc en gros, votre création psychologique, notre création psychologique, elle est basée sur quelque chose qui est du passé, sur une peur de ne pas réussir, et donc sur un avenir qui n'existe encore pas. Donc, lorsque nous faisons appel à une pensée, eh bien automatiquement nous allons chercher quelque chose du passé. Et automatiquement, nous l'envoyons dans l'avenir. Et il n'y a rien de neuf à ce moment-là. Donc, nous sommes en boucle en permanence. Comment faire pour sortir un peu de tout ça? C'est bien beau, hein, on y va, mais comment on va faire? Bien, justement, on va aller chercher cette histoire de fraîcheur. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fraîcheur? Cette histoire de nouveauté, c'est essayer, en fin de compte, d'aller à la rencontre de soi. Mais on ne peut pas aller à la rencontre de soi avec des livres. On ne peut pas aller à la rencontre de soi avec des instructeurs, des enseignants. On ne peut pas aller à la rencontre de soi avec des formations ou des stages. On va à la rencontre de soi uniquement avec soi. Uniquement avec soi. Et pour se rencontrer, eh bien, il faut simplement au départ être dans une présence de soi. Alors, on pourrait prendre ça pour des termes un petit peu New Age, ésotériques, etc. Qu'est-ce que c'est que la présence de soi? Ben, la présence de soi, c'est justement prendre conscience au tout départ des conditionnements dans lesquels nous sommes. Ah, ben on y arrive quand même, hein, il a eu du mal à démarrer le garçon. En fait, la connaissance de soi va commencer à partir du moment où on va clairement pouvoir identifier les systèmes de conditionnement dans lesquels nous sommes. Voilà. Pour ça, il va falloir que nous ouvrions une porte que nous n'avons pas ouverte généralement quand nous sommes enfants. Il faut que nous devenions sceptiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pose des questions. Et il ne faut plus qu'on réponde immédiatement aux choses. Vous savez, on a pris une habitude formidable. C'est quand on nous appelle, on répond tout de suite. Quand on nous pose une question, on répond immédiatement. On ne pense pas. Nous sommes dans une immédiateté de réaction. C'est-à-dire, je dois répondre. Imaginez si, dans une société X ou Y, lorsque quelqu'un parle, on le regardait, on réfléchissait, et puis on prenait le temps de lui répondre. Oh, mais ça serait insupportable, vous êtes d'accord avec moi, hein? Puisqu'on a envie de couper la parole, on a envie de le bousculer, on a envie d'avoir une réponse tout de suite, il faut absolument avoir une impatience, parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à lui. Non, on va essayer de le faire calmement, et puis on va essayer donc d'émettre
une hypothèse, d'être un petit peu sceptique sur ce qui se passe. Et bizarrement, lorsqu'on commence à poser la question du sceptique, eh bien, il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est, hop, le conditionnement qui va remonter. Le conditionnement, c'est ce qui va nous faire souffrir. Et là où on va devoir poser la question du scepticisme, c'est, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue? Pourquoi je continue de faire ça? Pourquoi, par exemple, je continue de, allez, je vais le dire comme ça, d'aller voir ma mère alors que je m'engueule toujours avec? Et alors la réponse, elle va être simple. Vous la connaissez? Parce que c'est quand même ma mère. Merci. Parce que c'est quand même ma mère. Ça signifie que je me dois, donc par loyauté, de continuer, alors ça aurait pu être mon père, hein. Bon, je me dois par loyauté d'aller continuer ma dispute, c'est-à-dire je vais arriver avec ma pensée ancienne, et puis je vais lui dire la même chose. Maman, tu sais quoi, je vais changer de boulot. Ah, pourquoi t'es pas bien dans le tien là? Mais tu sais, hein, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Mais maman, tu pourrais me poser la question au moins de savoir si c'est bien ce que je vais faire. Oui, écoute, tu as toujours été comme ça, il a toujours fallu qu'on te remarque et c'est parti. Et les anciennes pensées vont se confronter l'une à l'autre. Voilà. Mais oui, parce qu'on a pris cette habitude en fait. Imaginons maintenant qu'on se dise simplement, bon, le conditionnement c'est quoi avec ma mère? Elle me dit ça et systématiquement je lui réponds ça. Je vais essayer de changer un peu. Voilà la nouveauté. Alors évidemment, on va avoir une pensée limitée parce que nous sommes limités par nos propres connaissances. Donc, on va essayer de partager avec quelqu'un d'autre, un autre individu. Puis vous savez, à force de parler à des individus, il est probable que nous rencontrions des êtres humains, que nous-mêmes nous soyons de plus en plus humains, puisqu'on va partager des pensées. Ah tiens, c'est marrant. L'individu, s'il rencontre un autre, et puis un autre, et puis un autre, eh bien, il est plus limité dans sa propre pensée, il peut ouvrir des choses, il peut ouvrir des vannes. Ça devient intéressant. Donc ça voudrait dire qu'en fait, quand on commence à échanger des idées, eh bien, on peut rencontrer d'autres idées qui pourraient peut-être nous aider à régler certaines choses. Ça devient intéressant. Donc, en effet, on va aller chercher une forme de nouveauté et de fraîcheur pour pouvoir régler certains problèmes. Et on va donc modifier un comportement. Mais vous savez, ce qui est merveilleux dans le cerveau, c'est qu'en fait, tous les jours, et jusqu'à plus de 70 ans, aujourd'hui c'est ce que nous disent en fin de compte les spécialistes, eh bien, nos chaînons neuronaux vont continuer de travailler. Ils vont produire et ils vont produire de la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous disent les scientifiques, c'est que le cerveau enregistre les informations sur des cycles d'à peu près 21 jours. Donc, nos petites manies, habitudes, systèmes, ça va être enregistré là-dedans, dans des petites bulles à l'intérieur. Mais ce que nous ignorons, c'est que tous les jours, il y a de nouvelles petites bulles qui arrivent et qui seraient prêtes à accueillir une nouvelle pensée. Sauf que nous, on ne agit pas comme ça. On va remettre l'ancienne pensée dans les nouveaux chaînons neuronaux. Donc vous imaginez bien, au bout de 30 ans ou 40 ans de production de chaînons neuronaux, eh bien c'est toujours la même chose qui est en train de se passer. Par contre, si on commence à prendre l'habitude de modifier, d'amener de la nouveauté dans les nouveaux chaînons neuronaux, il est possible que cela devienne un nouveau réflexe. Et on va commencer à casser donc un système de conditionnement. On va aller à la découverte de soi. Et cet exercice, on va pouvoir le faire aussi bien par rapport, c'était un exemple, nos parents, par rapport à notre travail, par rapport à la personne qui partage notre vie, s'il y en a, nos amis, nos cercles d'habitués, d'initiés, de je ne sais quoi, etc. Évidemment, le grand trouble que nous allons rencontrer, c'est comme le monsieur qui était dans la grande société internationale, c'est qu'à un moment, il va y avoir un problème. C'est que vous allez sentir un grand moment de solitude. Parce que forcément, eh ben, il va y avoir une nouveauté que vous allez emmener dans vos rapports, et puis vous allez voir que la plupart des gens qui sont autour de vous, notamment les proches, les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, eux ne bougent pas leur système. Et là, vous allez vous dire, mince, je deviens de plus en plus intolérant, n'est-ce pas? Parce que vous faites un chemin, et puis vous allez vous apercevoir qu'à côté, le chemin, il n'est pas pris. Et c'est normal, puisque on ne prend pas tous le même chemin en même temps, il y aurait trop de monde sur la route. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça continue. Donc là, on va se poser la question. Je ne suis pas un peu trop intolérant en ce moment-là? Je ne suis pas en train de régresser parce que je crois que je ne supporte plus personne, en fait. Surtout ceux avec lesquels je suis depuis des années, ma famille, mes amis. Par contre, tu vois, quand on a rencontré Raoul, tout de suite, ça s'est bien passé. C'est bizarre, il ne me connaît pas pourtant. Eh oui, parce que c'est nouveau. Parce que Raoul, c'est la fraîcheur.
Et il ne sait pas qui nous sommes. Il ne nous voit pas avec nos paquets de mémoire. Il nous voit tels que nous sommes maintenant. Alors, on va se poser la question, là, elle est importante, est-ce que finalement je reviens complètement en arrière ou est-ce que je continue le chemin? Est-ce que je continue de me déconditionner? Eh bien, certains d'entre nous, on va faire marche arrière parce que quelque part, on va avoir la grande angoisse de l'inconnu, de la nouveauté. Et si je me retrouvais seul? Et si je n'étais pas en train de devenir un ermite? Si je n'étais pas en train de devenir trop particulier? Si j'étais finalement rejeté du groupe? Et si je devenais hors la norme? Sentiment d'angoisse. Bonjour docteur, oui, prenez-en deux le matin, deux le soir, vous verrez la confusion va s'arrêter et vous allez rentrer dans le système à nouveau. Ok, et pourquoi pas? Si je suis bien finalement, pourquoi pas? La problématique, c'est que je ne vais pas être bien très longtemps. Parce que en fait, j'ai énormément régressé à ce moment-là, puisque j'avais eu l'impression d'avoir fait un long chemin devant. Et comme je fais un petit pas en arrière, ben c'est comme sur la Lune, vous faites un pas énorme. Parce qu'il y a un problème de gravité, sans faire de jeu de mots. Et oui, ça devient grave, en fait. Donc là, vous repartez en arrière. Et là, y a une déprime qui peut s'installer. Parce que j'ai failli y arriver, et puis non, finalement, j'ai choisi de revenir dans le système. Ou alors, je continue. Et je veux me nourrir de nouveautés. Alors, puisque je veux me nourrir de nouveautés, je vais rencontrer des personnes nouvelles. L'environnement va être extrêmement important dans notre déconditionnement. C'est fondamental. Si vous rencontrez toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits, avec les mêmes comportements, il y a des chances que vous ayez toujours le même résultat. En revanche, si vous ouvrez, il est probable que vous continuiez l'être humain de plus en plus. La constitution de ce système d'une personne de 6 milliards de particules qui correspondrait à un être qui serait tout en fait. Tout ce que nous voyons chez l'autre, que nous n'aimons pas chez nous, etc., etc. Donc, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Et puis là, en effet, on va changer. Et comme on va commencer à changer, on risque de perdre, en effet, une partie du passé. Et pourquoi on va souffrir à ce moment-là? Parce que justement, on avait mis beaucoup de cette forme d'attachement, c'est-à-dire, il se trouve que l'individu, s'il y a bien une chose dont il a besoin aussi, avec l'amour, c'est la familiarité, c'est-à-dire il a besoin d'être familier avec quelque chose. Et si par exemple, je prends souvent cet exemple, si vous venez un jour dans mon cabinet, et si dans la salle d'attente vous trouvez des vélos suspendus avec des jambons de Bayonne et que vous ne me connaissez pas, vous allez dire il est perché quoi. C'est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que dans une salle d'attente, on a besoin de retrouver des petits magazines, une petite musique, une petite table, etc. C'est familier et ça nous va bien. Mais si jamais on faisait autrement, quelque chose viendrait troubler notre familier quelque part. Donc, on serait majoritairement, pas tous, certains d'entre nous seraient très contents, mais c'est certains d'entre nous. C'est une toute petite population. Donc, on a besoin d'être familier. Et alors, plus on va aller vers notre déconditionnement, plus on va mettre le familier en danger. Et on va se rendre compte qu'on peut aussi se déconditionner du familier. C'est quelque chose qui va aussi exister à un moment donné. On n'a plus besoin de ce familier parce que, en fait, il a fait partie du conditionnement de départ. On en vient au plaisir. La notion du plaisir dans le conditionnement, elle est extrêmement importante puisque c'est une des notions phares qui va nous emmener à un conditionnement. Alors, le plaisir et le conditionnement, ça va faire une belle alchimie qui s'appelle l'addiction. Hein, voilà, bien sûr, je vais être addict à toi, à ma cigarette, à mon verre de rouge, à mon jeu, au sexe, au machin, au bidule, au boulot. Hein, je vais remplacer ça que ça. Qu'est-ce que je veux dans le plaisir, si on regarde bien? C'est quoi le plaisir au départ? C'est un moment, un instant donné, dans lequel, normalement, pendant quelques minutes, je vais oublier tout le reste. D'accord? Je vais oublier tout le reste. Et je vais aimer. Non pas une fois avoir du plaisir, et c'est là que ça devient le mot plaisir, c'est que je vais aimer retourner dans le plaisir. Et si jamais tu m'empêches, si jamais je suis empêché, là, je vais souffrir. Je vais souffrir. Hein. Parce que, en effet, comme diraient certains des hommes à une femme, si tu ne me fais pas l'amour, c'est que tu ne m'aimes pas. Hein. Clac. Pensée masculine. Et puis,
Les femmes vont penser, certaines, mais moi j'aimerais bien avoir envie de toi si tu me rassurais. Alors là, lui il va penser, mais tu sais, moi j'ai envie de toi quand justement je me sens déstabilisé un peu. Et elle dit, oui, c'est ça, quand tu me rassures, je vais bien. Ouf, qu'est-ce qu'on se raconte en fait, hein? Donc, le plaisir qu'on va vouloir recréer va donner bien sûr naissance à une forme de nouveau conditionnement. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste le comprendre, encore une fois. Je pense véritablement que lorsque nous prenons conscience des choses, mais non pas en les nommant, parce que la conscience, c'est pas nommer. Vous savez, par exemple, vous avez envie de régler un problème, et puis vous achetez, et les rayons sont remplis de ça, les magazines ou les livres sur la psychologie, quelle qu'elle soit, ou sur le développement personnel, et vous allez trouver le livre exactement qui vous correspond en disant, vous savez, les fameuses les 80 possibilités, des 15 pistes, des 12 accords, des 4 solutions, des 3 chemins de la voie. Et vous allez lire et vous allez tomber page 24, hein, c'est ça, hein, et vous allez dire, mais oui, mais ça c'est moi ça. Frissons, les poils qui se lèvent, vous avez trouvé le truc, et 3 semaines après, vous recommencez exactement la même chose. La même bêtise, où vous avez la même sensation de ne pas exister ou d'être mal. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, parce que savoir nommer, ce n'est pas avoir conscience de quelque chose. Regardez comment on fait quand on est débordé et qu'on veut faire quelque chose de nouveau. On est saturé, et puis on dit à quelqu'un, attends, je vais me poser. Je vais me poser, ça veut dire je vais tout déposer. Je vais tout déposer, et je vais penser à ce que tu es en train de me dire. Et là, ça y est, comme je suis dans cet instant-là, que j'ai tout posé, je vais commencer à avoir une véritable conscience de ce que tu es en train de me dire. Pourquoi la thérapie, ça fonctionne? Pas parce que les thérapeutes sont bons. Mais non, pas bon les thérapeutes. Parce que vous êtes dans un fauteuil et vous arrivez. Vous cherchez dans la salle d'attente, pom 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 pom. Installez-vous, bonjour. Comment avez-vous eu mes coordonnées? C'est Micheline qui m'a dit de venir vous voir. Ben, je vous en prie, installez-vous, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, la personne dit quelque chose. Et puis, bizarrement, il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire « Mais non, mais c'est pas ça. » Non, il ne se passe rien. Très bien. Et quand vous dites ça, vous voulez dire ça aussi ou qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Non, je crois que... Et la personne n'est toujours pas interrompue. Un téléphone ne sonne pas, personne ne le contredit, personne ne la contredit. Il y a une écoute et puis en même temps, il y a un questionnement. Il n'y a donc pas de jugement qui va se passer. Et là, en fait, on est dans l'instant présent. Le thérapeute, la thérapeute va être à 100% avec cette personne pendant 45 minutes, 1 heure, 40 minutes, 30 minutes. Et la personne va avoir la sensation, en effet, réelle, sincère, parce que c'est vrai, d'avoir existé parce qu'elle aurait été entendue, non interrompue, non jugée pendant tout ça. Et en plus, le thérapeute qui est tellement mauvais, il ne va même pas lui donner une solution. C'est elle qui va la trouver, la personne. Parce que le thérapeute est mauvais, non? Aussi. Et elle va partir avec sa solution. Donc en fait, non seulement il y aura tout ce qui vient de se passer, mais en plus la personne a une idée de la façon dont elle va pouvoir agir après. Donc, quand on va vouloir modifier un conditionnement et le reconnaître, il va nous falloir poser quelque chose. Voilà. Il va nous falloir arrêter le temps. Arrêter ce temps pour pouvoir rentrer dans l'autre dimension. C'est-à-dire celle, vous savez, comme allez, l'oignon, on enlève. Hein, ceux qui font par exemple des sciences anciennes, je pense notamment aux kabbalistes, ils disent qu'en fait, pour trouver la voie intérieure, c'est comme un oignon, il faut enlever sans arrêt. Voilà, on enlève, puis à un moment donné, on trouve le centre. Eh bien nous, il faut qu'on apprenne régulièrement, dans une journée, dans une semaine, si on ne peut pas faire autrement, à enlever tout ce qu'il y a en plus pour pouvoir bien reconnaître les systèmes de conditionnement que nous avons en nous. Voilà, les systèmes de reproduction. Ça ne veut pas dire que, entendez bien, hein, ça ne veut pas dire que ce que nous reproduisons est mal systématiquement. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on s'interroge sur la façon dont on reproduit les choses. Parce que, et je peux vous le garantir, chaque fois que quelqu'un vient dans un espace de thérapie, c'est toujours par rapport à un moment donné quelque chose qu'il a toujours supporté et qu'il ne supporte plus. Quelque chose qui devient dérangeant, insupportable. Et pourtant, ça avait été quelque chose qui ne posait pas forcément de problème à un moment donné. Et puis un jour, ça en pose un. Quelle est donc la goutte d'eau qui est venue faire déborder ce vase qui est régulièrement, etc. Ben, en fait, la limite a été atteinte. Le système de conditionnement ne fonctionne plus. Le plaisir, par exemple,
peut devenir très rapidement une forme addictive. Je vous rappelle que le mot addict est un mot anglais qui signifie être endetté de quelque chose. Qu'est-ce que c'est l'endettement dont je parle? C'est par exemple un enfant duquel on attend une très grande perspective de réussite. Avec Raoul, on n'a pas de problème. Lui, il va gazer. Raoul, il entend qu'il ne peut être aimé que s'il gaze. D'accord? Donc, il ne va pas oser dire la plupart du temps à ses parents ben en fait, j'ai un problème, c'est que j'arrive plus à apprendre, ou je ne sais pas, ou je suis amoureux, ou je ne suis pas amoureux, etc., etc. Donc, il est probable que Raoul, devant le fait que ses parents attendent de lui qu'il gaze, ben, qu'il aille acheter un petit briquet à gaz et qu'il allume une petite cigarette. Voilà. En disant, avec cette formule que nous connaissons tous quand on a fumé, mais moi j'arrêterai quand je veux. D'accord ? Et puis plus tard, très vite, maintenant aujourd'hui d'ailleurs, en quelques mois, le système addictif lié aux produits chimiques va venir remplacer le « j'arrêterai quand je veux ». D'accord ? C'est pareil pour la boisson. On va à un moment donné trouver en effet que la relation qu'on a avec l'alcool, elle est agréable parce qu'on disparaît de plaisir pendant quelques secondes. Et puis après, on atterrit de souffrance pendant quelques heures et voire quelques jours après. Donc là, on va dire « stop, il faut que j'arrête ça ». C'est bizarre, c'est la même chose qui me faisait du bien il y a quelques temps. D'accord ? Et ces conditionnements vont venir petit à petit. Comment on va se conditionner avec l'alcool, ou avec la cigarette, ou avec le sexe, ou avec tout ça? Ben tout simplement parce que on est à l'origine de nos frustrations au départ. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endettement? Pourquoi il est là? C'est parce que je suis frustré, je n'ose pas dire des choses à certaines personnes. Donc je vais les boire, je vais les fumer, je vais les manger, je vais faire monter l'adrénaline comme je pourrais. Et je vais m'habituer à ça parce que du coup ça règle le problème, entre guillemets, en surface, je ne m'adresse pas à la personne concernée. Ou aux personnes concernées, ou aux cercles concernés. Et je continue. La compulsion alimentaire, par exemple, est une compulsion qui concerne directement, la plupart du temps, le système donc lié à la problématique relationnelle. Je ne vais pas mettre de limite, je vais me faire envahir. Je suis frustré parce que j'aurais dû dire non, et donc le soir, après avoir mangé, j'ouvre ma petite boîte de gâteaux et j'y vais. Voilà. Et je continue. Et plus je vais m'affirmer, plus je vais me déconditionner dans mon rapport, dans mon travail, dans mon rapport avec les gens, plus le système finalement addictif va commencer à partir. Parce que, et vous le verrez, si vous n'en avez pas fait l'expérience, ou vos amis autour de vous, bizarrement, quand on arrête un système addictif, on est en train de prendre une autre décision. Elle peut être infime, ça peut être décider de faire du sport, quitter quelqu'un, plus important, changer de boulot. Mais quand on arrête une addiction, il y a quelque chose d'autre qui se passe derrière. Puisqu'au départ, il y a un changement de vie qui peut même être très important, parce qu'au départ, toute l'histoire qu'on a mis dans le système addictif lié au conditionnement, eh bien c'est le fait qu'on va faire comme le type dans la grande société, on ne va pas aller en fait où on voudrait aller. On va rester là où on nous a positionné à un moment donné. Qui nous a positionné? Ben, l'histoire, la nôtre, la société, l'éducation, les parents. Il n'y a jamais de coupable. Il y a juste, en fin de compte, des faits. Voilà, des faits qui vont venir comme ça. Le plaisir va entraîner la douleur. La douleur va forcément entraîner une forme de violence. Évidemment, quand on a posé ce mot, on se dit « mais non, je ne suis pas violent ». Qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, on l'imagine physique, des coups de poing, etc. Ce qu'on voit depuis maintenant des mois et des mois un petit peu partout, quoi, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Non, il y a une autre forme de violence. Il y a la violence de la non-réponse, il y a la violence de l'agressivité, il y a la réponse du questionnement, il y a la réponse du harcèlement. Moi, j'ai envie d'inviter chacun d'entre nous, moi y compris, à observer le phénomène de violence que nous mettons en place. Parce que nous sommes forcément dans une forme de violence. Même quand on ne dit plus rien à quelqu'un, on est dans une forme de violence. Et cette forme de violence, eh bien, elle est aussi issu du système de conditionnement. Et si vous regardez bien, lorsque vous arrivez dans une problématique relationnelle, vous allez prendre le système que vous avez appris, celui que vous avez vu. Vous vivez, vous grandissez avec quelqu'un, comme on dit, entre guillemets, fort en gueule, ben quand vous pétez un câble, vous êtes comme ça. Vous avez une personne autour de vous, vous grandissez, qui disparaît, dit plus rien, Bouddha fait la tête, vous récupérez l'information et vous faites la même chose. Donc nous sommes encore une fois, non pas dans quelque chose qui a été pensé,
dans quelque chose qui est une forme de mimétisme. Et voilà pourquoi aussi on est très mal dans tous ces systèmes de conflits. C'est que c'est pas nous. C'est qu'on n'a pas la bonne réponse. C'est quoi la réponse, en fait? Ben, la réponse, elle pourrait paraître mièvre, mais c'est la finalité un petit peu de toute cette histoire. C'est finalement la possibilité d'accepter l'amour. Mot très vaste, très complexe, plein de pudeur, plein de mots à l'intérieur, et c'est très difficile à la fois à envoyer et à recevoir. On n'est pas forcément habitué à ça. Ça fait partie de tous nos beaux livres, nos beaux textes de développement personnel, de religion, de tout ce que vous voulez, et pourtant, c'est une des notions les plus difficiles à transmettre, à recevoir. Et c'est une des clés, évidemment, du déconditionnement, puisque le conditionnement va nous amener à la souffrance. Je crois que il ne faut pas penser en contraire, mais une des solutions, je dirais, pour faire diluer la souffrance, c'est l'amour. Et l'amour de soi au départ, bien évidemment. L'amour de soi, c'est, encore une fois, dans nos sociétés modernes, quelque chose qu'on nous rabâche, qu'on repousse, parce que ça nous paraît à la fois tellement nécessaire et basique, et tellement ridicule. Donc, ça tourne dans notre tête comme étant à la fois une solution, mais aussi un problème. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, quelque part. Si à chaque fois que quelqu'un dans mon cabinet disait « je voudrais avoir plus de confiance en moi », je lui demandais pas ce que ça veut dire pour elle, mais je me tromperais à chaque fois. Parce qu'en fait, avoir plus de confiance en soi, c'est toujours un axe particulier. On ne peut pas penser, dire « plus de confiance en moi ben », c'est simple, hein, j'arrive dans le resto, je m'assieds, je dis bonjour à personne, je claque la porte, je paye pas. Non, c'est pas du tout ça dont on parle. Avoir confiance en soi, ben, c'est peut-être avoir une stabilité, c'est peut-être dire quelque chose quand on n'osait pas le faire, c'est peut-être dire non, c'est peut-être dire oui. C'est pour chacun une clé à sa propre souffrance. En effet, par, comme on l'avait dit au tout départ, la connaissance de soi, mais aussi arrêter les fameux « tu devrais », les fameux « il faut ». Depuis que nous sommes nés, on nous explique, que ce soit la société, que ce soit les systèmes, les éducateurs, les parents, les amis, les plus anciens, que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur des choses. Mais ils le disent avec une énorme gentillesse pour nous aider. Hein. Le fameux papa, là j'ai pris la maman tout à l'heure, donc je vais faire le papa. Le fameux papa qui voit sa fille arriver, et elle n'est pas très bonne en maths, hein. Mais là elle a eu 15. Donc là elle s'attend à avoir les pétales de rose sur le chemin, la musique, une fanfare, etc., un gâteau d'anniversaire. Et puis il prend, il fait « Bah tu vois, t'aurais même pu avoir 16. Quand tu veux, hein. » Et là, la petite, vous savez, elle allait juste toucher la barre, et puis « Oh mince, il a remonté la barre un peu plus. » Et il passe en dessous. Elle passe en dessous. Elle n'a pas été à la hauteur. Et puis ça, bah, ça va continuer. Ça va continuer dans plein de domaines, tout ça. Alors évidemment, c'est pas, le problème n'est pas nos parents, hein. C'est ensuite essayer de comprendre ce qui nous a amené jusque-là. Quelle réponse on donne à tout ça? Mais pour ça, il faut se poser. Alors je ne dis pas, il faut aller voir quelqu'un. On peut le faire soi-même, encore une fois. À la limite, c'est peut-être encore mieux de le faire soi-même. Parce que ça va nous obliger à nous poser autre qu'avec un rendez-vous. J'ai rendez-vous chez Bidule, je vois machin, ou machine. Non, je vais l'imposer chez moi. Je vais l'imposer chez moi parce que j'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de me connaître pour vivre avec moi et surtout pour vivre avec toi. Parce que si je me connais pas, je ne peux pas ouvrir la porte que tu as. C'est impossible. Soit je suis en résonance avec toi en permanence, soit je m'oppose à toi. Donc j'ai besoin d'ouvrir ma porte. Et après, on pourra peut-être discuter un petit peu. Et si on ouvre nos portes, il y a des chances qu'on puisse communiquer ensemble. Donc en effet, ça va être une des réponses. Si vous voulez vous dire quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Je me sens seul des fois. Même une réflexion qui viendrait comme ça et qui n'est pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Hein. Non, vraiment. Vraiment. Alors je continue un peu. Vous m'accordez encore un quart d'heure, Max? Ça va? Ça sera 21h15. Merci. Et voilà, ça c'est posé. Ça ne plaisante pas. Merci, merci monsieur Marc. Donc 14 minutes. Là, je me dépêche. Je me dépêche. Donc cette histoire d'amour, en effet, c'est elle qui va avoir des chances de régler ça. On la vit dans plein de domaines.
Il y a plein de petits bouquins qui sont extrêmement intéressants. Vous les connaissez, vous les avez lus pour la plupart, ou vous en connaissez le titre, notamment les fameux accords Toltec. Hein. Alors évidemment, ça fait toujours sourire, ah, les accords Toltec, etc. Mais il y a une profondeur très intéressante. Moi, j'aime bien l'idée de l'accord. Hein. L'idée de l'accord, c'est assez passionnant, en fait. En fait, ces mantras, si je puis dire, ne fonctionnent que parce qu'ils sont ensemble. Et vous savez, un accord musical, au départ, ce sont des notes dissonantes qu'on va accorder ensemble. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Parce qu'il y a une véritable vibration à l'intérieur. Donc, vous vous rappelez du premier, hein, le premier nous dit le fameux « la parole impeccable ». Ben, c'est un petit peu ce qu'on raconte là. C'est-à-dire, en fait, que l'idée, c'est à la fois soi-même, se dire que, ben oui, on a assez de qualité pour pouvoir faire quelque chose. On a la capacité de réussir. Vous imaginez que si on mettait à côté de nous, à la fin de la soirée, la personne à qui on a dit à l'intérieur de nous toutes les méchancetés toute la journée, mais la personne serait dépressive à vie, quoi. Était pas capable, était nul, était machin, t'as encore dit oui alors qu'il fallait dire non, t'as dit non alors qu'il fallait dire oui. Donc, on va commencer à avoir cette parole impeccable, n'est-ce pas? Ensuite, il va y avoir l'idée, hein, toujours dans le déconditionnement, mais on peut s'en inspirer parce que ça colle très très bien. Hein, l'idée de ne pas faire du rapport avec l'autre une affaire personnelle. Ça, dans mon travail, mais c'est un élément du quotidien. En fait, la plupart du temps, nous pensons véritablement que nous sommes tout le temps visés par l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un se lève le matin pour nous faire trois petits points. Ça commence par un C. On en est persuadé, puisque c'est à moi qui s'adresse, c'est par rapport à moi qui fait quelque chose. En fait, non. La personne, elle est structurée comme vous, comme moi, c'est-à-dire qu'elle n'obéit qu'à son propre système. Et je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est vrai. En fait, vous arrivez dans mon cabinet, et quand vous posez vos petites fesses en face de moi sur le vieux fauteuil, je sais qui vous êtes, et je sais pourquoi vous venez. Et même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, et même avec le nombre de personnes que je peux voir, je ne prends jamais de notes, et je sais ce qu'on s'est dit. En revanche, gros nettoyage de printemps, je vous croise dans la rue, je ne vous reconnais pas. Et je mets un temps fou à vous reconnaître. Je ne sais plus qui vous êtes. Donc, si vous me croisez à ce moment-là, vous pouvez dire, pourquoi il est comme ça? C'est bizarre, il est fier, ou qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Mais c'est étrange. Automatiquement, vous allez penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé en direction de vous. Alors que non, pas du tout. La personne est construite uniquement par rapport à elle, jamais par rapport à vous. Nous n'avons pas autant d'importance que ça. Nous avons très peu d'importance par rapport à tout ce qu'on imagine. Donc en fait, oui, il n'y a pas ce système-là qui existe. Après, on va essayer de ne pas interpréter. Justement, hein, si on prend conscience que l'autre n'agit que par rapport à lui, on ne va pas essayer d'interpréter par rapport à nous quelque chose qu'il aurait consciemment fait. Vous voyez ? Je sais bien que tu fais ça pour me. Non, je fais ça parce que je. Donc c'est pas ça. Puis ensuite, je vais faire de mon mieux. On n'en a pas trop parlé là, mais évidemment que l'idée du conditionnement de départ, c'est d'être parfait. Une maman me demandait tout à l'heure, mais pourquoi mon fils me ment? Je lui disais, parce qu'il veut être aimé. Un enfant ment, pas pour mentir aux parents, pas par esprit du sport. Non, il veut juste être aimé. Mais pourquoi être aimé, il n'est pas assez aimé? Lui, allez, on va essayer de le faire respirer un peu, le gamin. Lui, il pense qu'il n'est pas assez aimé, lui. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Ça veut dire que les démonstrations que lui-même a interprétées de votre comportement ne sont pas assez suffisantes. Donc, il va mentir. T'as rangé ta chambre? Ouais. T'as fait tes devoirs? Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il y a le contrôle. Hein. Il y a le check derrière, et là, ça se passe mal. Mais vous savez, celui-là, qui a entendu qu'avec lui, il n'y aurait jamais de problème, qui ment un petit peu, ben, plus tard, il rencontre son ou sa chérie, et puis il est en voiture, téléphone sonne, elle ou il lui dit « T'as pris le pain ?» Il fait « Ouais ». Vous savez ce qu'il fait? Il raccroche, il s'arrête et il va l'acheter. Parce que lui, il ne peut pas avoir de problème, il ne peut pas être pris au piège, c'est pas vrai, il est parfait. Donc en fait, on ne fait pas de son mieux. Dans ces moments-là, on voudrait faire le plus possible. Et plus, c'est déjà trop. C'est comme pas assez. Faire de son mieux. Oh là là, quelle respiration. Et finalement là, avec le cinquième accord qui est sorti il y a quelques petites années, qui est « Soyez sceptique ». Ça, c'est beau, ça. Soyez sceptique. Ne prenez pas tout comme ça. Parce que sinon, ben, on rentre dans le nouveau conditionnement. On dit qu'on quitte une drogue, c'est symbolique, hein, pour une autre drogue. On le voit beaucoup dans ce qu'on appelle l'attachement amoureux, la dépendance affective. Hein. On va quitter une drogue pour rencontrer une autre drogue.
On va quitter la dépendance affective là pour en rencontrer une autre plus tard. Voilà. Et en fait, le scepticisme va nous permettre de reconnaître une fois de plus l'idée même du conditionnement. On va se poser la question. On va se poser la question de savoir si la personne qui est avec nous, c'est vraiment nous qu'elle aime bien, qu'elle aime, ou si elle voudrait nous changer, nous faire devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais pour ça, il va falloir qu'on crée une forme de dialogue et qu'on ait donc eh bien, une idée neuve des choses. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec notre vieux paquet de mémoire, mais qu'on arrive avec cette histoire de fraîcheur, de nouveauté. Donc on n'arrive pas par la pensée, mais qu'on se pose dans l'instant, présent, qu'on pose le reste et qu'on parle. Qu'on arrête de se parler entre deux portes. Alors vous allez me dire, oui mais il est gentil, lui il vit pas dans l'autre monde. Moi mon monde, j'ai pas le temps, machin, etc., etc., etc. Oui, ok, j'ai vécu aussi dans votre monde. Moi aussi j'ai eu, peut-être comme vous, une famille à un moment donné, c'est vrai, j'ai eu ça, des boulots, des choses comme ça, et j'ai fait exactement ces bêtises-là. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais trop préoccupé de la façon dont ça se passait, mais j'ai toujours pensé qu'un jour ça pourrait se passer. Et puis un jour, vous savez quoi ? Ben, je me suis passé d'eux sans m'en apercevoir, et ils se sont passés de moi, sans que je m'en aperçoive. Et tout s'est arrêté comme cela, avec perte et fracas, mais tout s'est arrêté. Voilà. Donc, le message, c'est en effet de prendre la conscience de ça, et d'aller vers cette solution d'amour. Qu'est-ce que c'est que cette solution d'amour ? Ben, en fait, vous savez, ça me fait penser à un truc comme ça. Quand j'étais gamin, je voulais lire absolument un bouquin qui était un pavé comme ça que je voyais dans une bibliothèque d'un oncle qui lisait. C'était l'histoire de Don Quixote. Je voyais ce bouquin, c'était la Pléiade. Je me dis pas. Alors un jour je l'avais piqué, comme un enfant qui ment jamais, vous savez, hein, celui qui est parfait. Et puis je commence à lire les trois premières pages, je fais ouf, c'est bon. Ça va pas le faire. Je vais prendre la version résumée de l'affaire. Et puis bon, allez. On se lance des années plus tard et puis on le lit. Et puis il y a un passage que je trouve extraordinaire. C'est la fin, et ça sera la fin pour nous aussi. À la fin, vous savez, il meurt. Il est en train de mourir. Don Quixote, il meurt. Là. Il est sur son lit, etc. Et puis auparavant, bon, il a quand même un gros parcours, le gars, hein, parce qu'il est tombé amoureux d'une fille super moche. Il s'est battu contre des moulins à vent. Il avait un espèce de truc de poubelle comme un bouclier. Il avait une pauvre épée et puis une jument, mais qui ressemblait à rien. Il pensait que c'était un cheval de combat. Puis il y avait un petit monsieur qui était un petit peu conscience, un peu son épaule, son conditionnement, qui était là tout le temps et qui l'a aidé partout. Puis à la fin, il meurt et puis il est là à côté, Sancho Panza, et puis il lui dit merci maître, vous avez été extraordinaire pour moi et vous savez, moi je vous ai aimé quand vous avez combattu les géants sur votre cheval, vous étiez magnifique et puis il y avait aussi cette magnifique Dulcinée de Tobosco, comme elle était belle. Et il est en train de mourir et puis il dit mais arrête, tu sais quoi, en fait j'ai toujours su que ça n'était pas vrai. Et en fait ce que j'ai voulu te faire voir, c'est que quand même les choses ne sont pas comme elles sont, on peut les voir avec un autre œil, un œil neuf, débarrassé du passé. Alors, c'est une histoire magnifique, parce qu'il avait toujours compris, il s'était débarrassé finalement de tous ces systèmes de conditionnement, il avait retrouvé une âme d'enfance, et il disait que sur les dernières années de sa vie, il voulait quand même revivre ça, parce que c'était son bien-être à lui, indépendamment de tous les systèmes qui disaient que la chevalerie n'existait plus. Et puis un jour, il y a un artiste, vous connaissez cet artiste peut-être, qui s'est inspiré de cette œuvre magistrale et qui a fait un opéra. Et cet opéra s'appelait L'Homme de la Manche. Et puis, dans ce passage-là, lorsque Don Quichotte meurt, il écrit et il joue. Et il dit rêver à l'impossible rêve, partir où personne ne part, aimer d'un impossible amour. Aimer, même trop, même mal, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer sans force et sans armure, aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'à... Après c'est quoi déjà ? Aimer sans force et sans armure, pour atteindre l'inaccessible étoile. Voilà. Atteindre l'inaccessible étoile, et il continue encore, et il dit...
Mais les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore pour l'or d'un seul mot d'amour pour atteindre l'inaccessible étoile. Et cette chanson magnifique, La Quête, eh bien c'est une œuvre en fait, dépourvue de tout système de conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule chose qui va rester de tout cela, ben, c'est l'amour qu'on va porter à la fois à soi, c'est-à-dire le respect qu'il a donné à lui-même, Don Quichotte, et l'amour, le respect qu'il a donné aux autres, en les amenant dans cette aventure. Y croire, quoi qu'il se passe. Voilà, merci beaucoup.